Bienvenue sur l'Argus. Aujourd'hui, on vous présente le Renault Captur restylé. C'est un véhicule qui est très important pour Renault puisqu'il s'est déjà vendu à plus de 2,2 millions d'exemplaires depuis son lancement en 2013 et il s'est imposé comme le grand rival du Peugeot 2008. La deuxième génération a débuté sa carrière en 2019 et elle s'offre aujourd'hui un restylage d'ampleur qu'on vous propose de détailler en images avant l'ouverture des commandes le 9 avril 2024. Le Captur restylé change de look, il se modernise. Ça se voit d'ailleurs particulièrement sur la nouvelle finition Esprit Alpine de notre modèle de présentation. Sa face avant a été entièrement redessinée, elle gagne en dynamisme et elle préfigure d'ailleurs celle du futur Renault Symbiose, un SUV compact de 4,40 m de long qui s'intercalera entre le Captur et l'Austral. Le capot est plat et nervuré uniquement sur les côtés. Le bouclier est plus massif, il comporte deux entrées d'air et les feux de jour en forme de boomerang, typique des derniers modèles de la marque Clio, Scénic et Rafale. La calandre qui accueille le nouveau logo aux losanges est affinée et entièrement horizontale. Elle est recouverte de petits parallélogrammes qui soulignent les nouveaux phares, eux aussi plus fins, qui adoptent une nouvelle signature lumineuse full LED sur toutes les finitions. De profil, rien ne change. Ses dimensions restent d'ailleurs quasi identiques à celles de la phase 1 puisqu'il ne grandit que d'un centimètre en longueur pour frôler les 4,24 m. À l'arrière, on note deux changements plutôt discrets. Le premier, c'est les coques de feu qui sont transparentes. Et le second, c'est le diffuseur en bas du pare-choc qui a désormais une forme plus rectiligne qu'auparavant. Le Captur restylé se décline en trois finitions, Evolution, Techno et la nouvelle exécution Esprit Alpine. Sur l'entrée de gamme Evolution, pas de jantes de série, mais des roues de 17 pouces avec des enjoliveurs. Les bas de caisse et la ceinture de caisse sont noir mat, alors qu'ils seront noir brillant sur la finition Techno, qui a également droit à des jantes de 18 pouces. Esprit Alpine se distingue par des logos sur les ailes, des contours de vitres noir brillant, des jantes exclusives de 19 pouces et des skis avant et arrière noir mat. Dans tous les cas, la carrosserie restera biton et Renault annonce 14 configurations possibles pour personnaliser son Captur. L'intérieur évolue lui aussi, mais de manière moins spectaculaire. On a le même volant, le dessin de la planche de bord reste identique. L'instrumentation numérique derrière le volant, justement, mesure jusqu'à 10,25 pouces suivant les finitions. L'affichage est personnalisable, tout comme l'éclairage d'ambiance d'ailleurs avec le système Multisense. Alors l'écran tactile central grandit, il passe de 9,3 à 10,4 pouces. Il hérite du nouveau système multimédia Open Air Link avec Google intégré et il est compatible Android Auto et CarPlay sans fil. Il propose tous les services de Google comme Google Maps, Google Assistant et plus de 50 applications téléchargeables. La console centrale a été simplifiée avec la disparition des trois boutons rotatifs pour régler la climatisation. Une ligne de 9 boutons située sous l'écran permet désormais de gérer cette fonction, tout comme la ventilation et le dégivrage. On note aussi une nouvelle sellerie différente suivant les finitions. Celle d'Esprit Alpine comporte des surpiqûres bleues, le logo Alpine en partie haute des sièges et un petit drapeau tricolore cousu sur les côtés que l'on retrouve aussi sur la planche de bord. Sur la finition Evolution, les sièges sont recouverts de tissu gris chiné et ils se dotent de surpiqûres jaunes et du losange Renault sur Techno. L'habitabilité reste la même, elle est toujours de très bon niveau dans la catégorie et grâce à la banquette coulissante sur 16 cm, eh bien on peut faire passer le coffre de 484 à 616 litres. Et puis une fois les sièges rabattus, ce volume peut même aller jusqu'à 1596 litres. Le Captur propose 4 modes de conduite complétés par l'Extended Grip. C'est un dispositif qui permet sur la version e-tech full hybride d'optimiser la motricité sur la neige et hors des sentiers battus. Il embarque jusqu'à 28 aides à la conduite différentes, dont les désormais traditionnels régulateurs de vitesse adaptatifs, aide au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de signalisation, freinage automatique d'urgence ou encore la caméra 360 degrés. Il est aussi équipé de dispositifs inédits sur ce modèle, c'est le cas de la conduite hybride prédictive qui permet d'optimiser l'utilisation de l'électrique sur son parcours pour consommer le moins possible. Sur Techno et Esprit Alpine, il est également possible de choisir l'Active Driver Assist en option, un système de délégation de conduite de niveau 2 sur tout type de route, dans le respect de la réglementation bien sûr.
Pour offrir plus d'agrément au volant, Renault a optimisé le châssis du Captur avec de nouveaux réglages pour les amortisseurs, la géométrie des trains et la calibration de la direction assistée. Rien de nouveau sous le capot puisque Renault reconduit les 5 motorisations qui étaient présentes sur la phase 1, il n'y a donc pas d'hybride rechargeable et pas d'électrique. Les adeptes du GPL pourront toujours compter sur le 1 litre TCE de 100 chevaux associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. En essence, on retrouve le 1 litre TCE d'une puissance de 90 chevaux et la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. On trouve aussi le 1 litre 3 TCE mild hybride de 140 chevaux accouplé à la même boîte de vitesse. Et sa version de 160 chevaux associée à une boîte de vitesse automatique EDC à 7 rapports. La gamme est coiffée par la version e-tech full hybride de 145 chevaux. Son 4 cylindres 1 litre 6 essence atmosphérique de 92 chevaux est associé à un moteur électrique principal de 36 kW, soit 49 chevaux, et à un moteur électrique secondaire de 15 kW, soit 20 chevaux. Le tout est couplé à une boîte multimode à crabeaux AMT sans embrayage. L'offre de motorisation va évoluer par la suite puisque les actuels 1 litre et 1 litre 3 TCE seront remplacés par le nouveau 1 litre 2 TCE que l'on retrouve sur le Duster, mais également sur le Rafale. Et on les retrouvera en version mild hybride et GPL. Et puis ce Captur aura également droit à une nouvelle boîte de vitesse automatique EDC, DW23, qui a été inaugurée par le SUV Kardian, qui est actuellement commercialisé au Brésil. Voilà pour cette découverte du Renault Captur restylé, dont les tarifs seront révélés à l'ouverture des commandes le 9 avril 2024, pour une arrivée en concession à l'été suivant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité automobile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur lagus.fr.